En congé depuis la suspension de la Ligue 2, les joueurs d'IDC Virunga présents à Goma ainsi que les membres du staff technique avaient une séance de travail avec l'ancien capitaine des Léopards, Youssouf Moulumbu, et nouvel ambassadeur du club. Accompagné du président Patrick Monyomo, Youssouf Moulumbu voulait à travers cet échange prendre contact et briefer au même moment les athlètes sur les différentes opportunités que les contrats les liant au DC Virunga ouvrent à ces derniers. Il les a tout de même invités à un sens des responsabilités et des travaux acharnés. Aujourd'hui, le haut niveau, ça demande des sacrifices. Et le seul sacrifice que ça demande, c'est le travail. Le travail et la discipline. Donc aujourd'hui, les personnes qui seront récompensées chaque année ou chaque mois, ce sont les personnes qui travailleront le mieux. Mais l'objectif premier, aujourd'hui, avant même de penser à partir en Europe ou dans quel club, c'est la montée en Ligue 1. C'est la LINAFO. De sa part, l'honorable Patrick Monyomo, président du club, a indiqué à ses protégés que ceci n'est qu'un premier pas vers plusieurs grands projets que le comité dit des responsables compte mettre en place en faveur de ces jeunes talents. Nous ne venons pas faire de n'importe quoi ou de l'aventure dans les clubs. Nous venons soutenir et encadrer cette jeunesse. Nous allons faire ça. Une énième surprise agréable ayant laissé perplexe les joueurs d'IDC Virunga qui promettent une stricte observance de ces sages conseils. Vraiment, merci beaucoup et pour tout ce que vous faites pour nous. Nous ne sommes pas ingrats et nous ne serons pas irreconnaissants face à tout ce que vous nous donnez chaque fin du mois. Nous recevons. Nous n'allons pas abandonner, nous allons poursuivre jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci. Une séance couplée à la présentation de Mohamed Akrem, venu de l'Espérance de Tunis, qui a pris ses fonctions au CDDC Virunga, dont il est désormais préparateur physique. Des jolis coups de filet du comité sportif d'IDC Virunga, qu'une lésine pas sur les moyens pour la mise en œuvre de son plan de modernisation du club, à la grande satisfaction des fanatiques, qui félicite cette nouvelle dynamique qui s'observe désormais au sein du club.